Salut à tous, une vidéo aujourd'hui que j'avais pas prévu de faire, donc elle sera faite un peu au... Bon, ça m'a pris un peu dépourvu. C'est sur la vidéo que j'avais fait sur la Monjaro OpenRC. Il y a Steph Pefailly qui m'a dit si ça vous, si vous embêtez, jetez un œil à la Hachu 2016. Hachu, c'est un installateur pour la distribution pour élitiste. Coucou Cyril. Arch Linux. Voilà, ça je vais faire parce que ça va m'énerver devant derrière moi. Voilà, et si vous cherchez ce groupe, je le mettrai aussi dans le descriptif. Voilà. Donc, Hachu, c'est un installateur graphique comme architecte, comme Antergos, alias NumixOS, pour Arch Linux. Bon, c'est vrai qu'Arch Linux est une distribution qui est sympa. Voilà. Mais le problème, c'est son installation qui peut paraître un peu. Qui facilite un peu le péristaltisme. Voilà. Donc je suis allé sur le site de Hachu qui me dit maintenant s'appelle la Feliz. Feliz comme Feliz Navidad. Bon. Donc je suis allé sur le site de la Feliz et j'ai vu qu'il y a 2 heures l'installation, enfin l'image d'installation stable a été rendue disponible. Bon, c'est un ISO avec des scripts d'installation pour Arch Linux. On peut rapidement installer une Arch Linux avec une liste de shopping, différents repos, dépôts Arch. Donc, on va voir ce que ça donne. J'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Donc là, ça va être du direct complet. À peu de fois, c'est vraiment du direct live. Donc là, je vais créer une image ISO. Donc, je vous prouve déjà que j'ai installé, enfin récupéré. Récupérer l'ensemble. Et aussi, j'ai récupéré une solution 1.1 que j'ai mis au côté pour des petits plaisirs personnels. Bref, voilà. Donc, je vais créer une image virtuelle pour le disque. Pour... Par contre, là, je vais peut-être un peu... Désolé, là, je reviens 30 secondes. Si là, voilà, désolé, ça ira mieux parce que j'avais un peu trop de lumière. Donc, comme je disais, je vais créer une image ISO. Enfin, image ISO, une image de disque dur. 228 Go. On va mettre disque Feliz. Le FA. Désolé, il fallait que je la fasse. Allez, on est parti. Et on va la mettre en 64 bits. Je ne sais pas si c'est une version 32-64. Je n'ai pas encore testé. Donc là, ça va être la surprise du chef. J'aime pas. Enfin. J'ai pas trop envie de faire des vidéos de ce style. Feliz Stable, Mindboot, Order, égal CD. Donc apparemment, il y a les deux. Relax. Take it easy. Bon, désolé. Donc on est parti pour ça. Je vais peut-être mettre par là la vidéo. Voilà, donc. Et zut, bon, c'est pas grave. Si ce n'est pas un mode graphique, il va automatiquement me le mettre en bonne taille. Donc je sais pas ce que ça va donner. Blablabla. Take it easy. Ah non, il va pas me la mettre en bonne taille, saleté. J'aurais pas dû vouloir toucher la fenêtre quand ça démarrait. Désolé. Ça parfois c'est un petit bug de QEMU. Donc je vais attendre qu'il démarre entièrement avant de déplacer. La fenêtre, ah, mais là c'est un peu trop sombre. Oh, saleté de temps, j'aime pas le temps du mois de juin. Voilà, ça ira mieux. Maintenant, nous avons notre Feliz qui démarre. Feliz le Fa. Eh, ne t'inquiète pas, il y a du réseau. Allez, gentil. Voilà, récupère le dernier script. Bon, on va prendre semi-interface graphique. Save disk auto. On va mettre en auto automatique. On va pas s'ennuyer. C'est SDA peut-être. D'accord, il y a le clavier en anglais. C'est marrant. Oui. Donc partition swap 8 Go. Bon, j'ai que 2 Go de mémoire vive. Bon, pourquoi pas. Partition route 20 gigas, le reste en ROM, ok. Bon, on va prendre le dernier noyau en tête.
Ah, enfin. Donc j'utilise la touche F pour avoir directement les claviers français, E pour avoir par Europe et P pour Paris. FR, F pour avoir directement la liste des. Bon, ben voilà, on va pas s'ennuyer, hein. Voilà, fais le calife. Ah, pour ajouter des extras, tiens, alors qu'est-ce qu'il y a dans les accessoires? Bras zéro, Gnome Calculator, on va mettre. Ah, d'accord, rajouter d'ici là. Bon. Donne. On va prendre Cinnamon, non. Dipin, non. On va prendre Maté. C'est pas vraiment Mint qui l'a créé. On va prendre Maté, on va prendre l'IDM. Et on fait Done. Graphique. On va rajouter Simple Scan. Xané. Et Gimp. Comme ça au moins. Done. Accessoire, j'ai pas mis Gedit, donc je vais le rajouter. Pas Gedit, mais c'est. Delete it. C'est Gparted que je voulais rajouter. Ok. Internet. On va prendre allez, Firefox pour changer un peu. Thunderbird. Transmission. Et Filezilla. Voilà. Done. Multimédia. Bah, on va mettre VLC. Done. Office. LibreOffice. Done. Programmation. Non, j'ai besoin de rien. Gestionnaire de fenêtre non plus. Donc, on sélectionne. Non utilisateur. Userfred, extra. Ok, on continue. Donc je ne sais pas comment ça va fonctionner là. J'espère au moins que le. Pardon. Que le nom d'utilisateur va être créé entièrement. Donc là, j'avoue que je suis autant surpris que vous. C'est vraiment la surprise du chef. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère au moins qu'il y a un truc à la Pac-Man Mirror pour avoir un répertoire, enfin, une installation assez rapide. C'est bien sans être bien ces installateurs parce que parfois il y a des trucs qui sont installés et qu'on a besoin, parfois il y a des trucs qui sont pas installés et dont on aurait besoin. Donc on va voir ce qui manque au final. Enfin, déjà, ça permet déjà pas mal de dégrossir l'installation. Non, je vais remettre un peu de lumière parce que ça m'énerve. Ça sera mieux. Alors, bon, dernier clavier noyau installé. Soyez patient. Oui, on est patient. Enfin, on essaye. Quand on aura marre de dire de patienter, tu liras. Moi, il n'y a aucune barre de progression après. Ah, ça y est, il avance. Par contre, je ne pense pas qu'il est beau. Enfin, voir si la génération, si les locales sont bien générées ou pas.
Quand un seul Pac-Man, ça vaut mieux quand même. Je voudrais pas dire, ça vaudrait mieux. Et... Donc apparemment, il a pris un dépôt qui est assez rapide. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir une connexion fibre ou autre. Outils en ligne de commande. Bon, pour le moment, ça roule. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Question angoissante. Manque plus que la musique. Tant, tant, tant. Mais combien de temps cette année le giga est celui-là? Oh. C'est bon là, tu vas nous faire un câble ou quoi? Ah, voilà. J'aurais préféré mettre Firewall, non, mais bon. C'est pas grave, ça peut se modifier ça, parce qu'Xarchiver, surtout que c'est Ngrapa, l'outil officiel de Maté. Dommage. La génération des pages de manuel, là ça va prendre une éternité. Apparemment, ça a l'air fonctionnel pour le moment. On retouche du bois. Moi, je touche à mon bureau, hein. Je suis modeste. Hein. Je reste modeste. Désolé, le chocolat. Hein. On est chocolatoman, on ne l'est pas. Le chocolat à la menthe, c'est tellement bon. Tellement bon. Bon, t'avances, oui.
Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Patienter, on l'aura fait, ça c'est sûr et certain. C'est presque plus rapide de compiler un LibreOffice avant qu'il se termine. Ah, j'ai rien dit. Désolé. C'est avance quand je recule. Comment veux-tu que je mette mon pull? Ah oui, c'est la version politiquement correcte. Enfin, surtout socialement correcte. Et qui ne, dirons-nous, ne n'écorchera pas les oreilles chastes. Grub s'installe. C'est là qu'on regrette d'avoir chargé la mule avant l'installation. Ah, voilà. Rajout des codecs, histoire d'avoir quand même du son, dont le méchant MP3. Avec l'AIM, c'est le cas de dire. Encore heureux, je n'ai pas demandé placement à l'installation parce que on y sera encore dans 3 heures. J'ai pas trop de porter 3 heures pour l'installateur, ça c'est très net. Hein. Il est si long que ça, c'était le second paquet des A64. Où est-ce que le... Oula! Ah, c'est juste le petit curseur. Bon, est-ce qu'il avance? J'ai comme l'impression qu'il est parti en cacahuète le processus. Légèrement. Comme impression ça négative que le processus est parti en cacahuète. Et pourtant, les processeurs ne sont pas surchargés, outre mesure. Allez, mais avance. Ah!
Ça va se terminer, toi, tu vas te terminer avec la poubelle, ça va pas tarder. Bah, mais j'ai comme l'impression que c'est coincé. Ouais, mais c'est coincé, hein. Oh, saleté. Ben, on en reste les frais, hein. Allez, au revoir. Ah, j'en ai dit. Autant pour moi, fausse alerte. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être en point de rafraîchissement. La menace de le faire, de l'arrêter. Petit, mentez pas, mentez pas, mentez pas. Mais les menaces, ça fonctionne parfois. Hein. Là, je vais voir la taille quand même de l'image ING. Donc on est à 4,5 Go. Donc on va voir si ça progresse. Les menaces, ça fonctionne toujours. Oui. Ben oui, la preuve. Il a encore gagné 300 mégas. Bah. Il pourrait être quand même un peu plus bavard, ça serait pas plus mal, quoi. J'aurais dû prendre le mode CLI, au moins comme ça j'aurais eu l'ensemble, j'aurais la progression, le nombre de paquets. La prochaine fois, je le saurai. Bah, t'avances, oui. Giga 3, oui. Ah, ça y est. Oh, la salle de yaourt. Super. Un outil pour gérer tranquillement le système. SimpleScan. Et c'est là qu'on regrette d'avoir un peu cherché la mule. X années, ok. Gimp. Et c'est là que je regrette d'avoir présélectionné LibreOffice. Si on a pas mal l'outil, mais il faut voir après ce que donnera l'installation complète. Le Fofox, je pense qu'il faudra que j'installe les paquets de traduction par contre. Dommage. Il faut déjà, s'il n'y a plus quoi t'installer. On voit que les paquets de traduction s'installent aussi. On peut toujours rêver. Bah. T'avances ou tu recules? Tant que ça s'installe, je vais vous parler de voilà, ça. Si vous savez savoir à quoi ressemble la musique du groupe, tant que ça s'installe, comme ça au moins. Si vous voulez écouter l'album du groupe, le seul d'ailleurs qui soit sorti, ça permet un peu de meubler aussi. Je l'avoue honteusement. Je vous mettrai le lien dans le descriptif.
Voilà, comme ça au moins, j'en ai parlé. Et ça change un peu parce que sinon, c'est toujours le même t-shirt, donc faut bien varier un peu les plaisirs après tout. Pour des raisons pratiques et de droit d'auteur, je ne mettrai pas la musique du groupe en question. Sinon, je risque d'être enguirlandé par le robot de YouTube. Non, merci, n'est-ce pas? Bah, j'aurais pas dû vouloir choisir LibreOffice fraîche. Ah. On entre le mot de passe pour route. Pour le compte utilisateur. Oui! Bien sûr, il faut sortir le support. Donc déjà, bon, l'installation là doit être pas trop mal passée. Non. D'accord, il a carrément éteint. Donc l'installation demande 6,8 Go. Donc on va relancer la machine virtuelle. L'écran moteur de la machine, donc sympa. Donc on va attendre que ça démarre bien. Système D230, blablabla. Bla bla. Ok, c'est normal, il n'y a pas de lecteur de disquette, donc tu fais pas chier. Alors, voyons. Est-ce que LightDM va être lancé en France-Autriche? Ah, déjà un bon point. Donc on va voir ce qu'il y a. Bon, bien sûr, c'est un maté 1.12, c'est normal. Pas mal. Pas mal du tout. Donc là, on va juste mettre. On va dessous. On va remettre le son. Voilà. Alors, bon, bien sûr, un grappa. X-Archiver, c'est pas très utile. Bon, mais. LibreOffice, gna 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 gna, oui c'est bon, on verra après pour Firefox Thunderbird. Donc il n'y a pas GIMP, enfin GIMP, GIMP n'a pas été installé, bon mais c'est pas grave. Apparemment l'installation est pas mal, donc on va voir si des outils comme Zip et Nzip ont été installés, parce que ça peut toujours servir. Ah, d'accord, bien sûr, n'oublie pas que c'est le clavier anglais. Imbécile. Non, c'est pas menu principal que je voulais. Ah! Donc c'est un matériel clavier. Donc on va mettre le clavier qui va bien. Voilà. Alors je vais voir si c'est le zip. Non, il n'y a ni zip ni un zip. Donc. On va rajouter zip, unzip, et c'est l'unzip. Voilà. Comme ça, on aura des formats supportés en supplément par un grappa. Ah, unzip est déjà installé. Il n'y a pas zip. Bon. Voyons. Donc, on va rajouter cubes aussi. Ça ne mange pas de pain. Donc on a Network Manager installé par défaut, pas mal. Donc si on veut activer Kubs, donc c'est systemctl enable org.kubs.kubsd, on active aussi Avai Daemon. Et dns.conf-d, ça mange pas de pain. Voyons, donc nous avions dit. Ouais, bon, je vais voir. Donc, il est quand même pas mal l'installation déjà, elle est vraiment pas mal. Ouais, je reviens. Saleté de luminosité de mes deux. Voilà. Ça ira un tout petit peu mieux. Parce que la luminosité est vraiment pourrie. Et je m'arrache la rétine sinon. Nous en avons dit yaourt-s Firefox i18nfr. On va savoir s'il est installé ou non, il n'est pas installé. Donc pareil pour Thunderbird. C'est vrai quand même que là il y a beaucoup d'outils. Il faut voir ce qui manque, mais je dirais qu'il manque pas grand-chose. Kubes pour les personnes qui l'utilisent.
Alors, LibreOffice Fresh FR. Donc, il manque Zip et Unzip. Bon, ben, c'est pas bien grave. Hein. Par contre, il n'y a pas d'outil de. Donc, je vais rajouter Quadlibet, par exemple. Ça, c'est pour la notification. PY iNotify. C'est quand on veut mettre à jour automatiquement ses, sa collection musicale. Ah, il avait pas aussi certains refonds. Dommage. Bon. Donc là, on a de quoi pour l'audio, la vidéo, les outils systèmes. Donc normalement, Cubes, ça devrait être bon. Avec un Firefox en français, c'est pas plus mal. Voilà. Bien sûr, si je ne lance pas Cubes, ça ne risque pas de faire. Imbécile, tralalalère. Si je ne lance pas, espèce d'idiot, ça ne fonctionnera pas correctement. Voilà. Donc, si je fais un petit rafraîchissement, voilà, on a Cubes. Donc, bien sûr, c'est la version 47 de Mozilla Firefox avec l'indispensable outil qui vous permet d'éviter de vous retrouver avec la rétine transformée en passoire. Voilà. Donc, ah oui, aussi un truc, je crois que c'est dans About Performance. Je vous montre un truc, c'est quand on veut désactiver certains. Voilà. Par exemple, si on veut désactiver Hello, boum, il n'y est plus. Pocket, boum, il n'y est plus. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas besoin de ces services. J'ai oublié de le montrer la dernière fois, donc je vous le montre. Voilà. Et après, normalement, dans les extensions, dans les modules, on doit pouvoir les retrouver. Extension, c'est un petit en plugins. Ah, il y a Flash. Flash pour installer. Poubelle. Sous la version un peu vieillotte de Flash. Rien de nouveau. Si vous voulez un Flash plus récent, passez par Fresh Player Plugin et Chromium Paper Flash. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus récent. Flash Plugin Player. Flash Plugin. Voilà. Autant récupérer 22 mégas. Yes. Non, mais sinon, l'installation est pas mal. En première vue. Il manque quelques outils. Bon, mais bien sûr, on peut pas être aussi complet qu'une installation de la Mimine. Mais ça vous dégrossit pas mal le boulot, quoi. Là, j'avoue que je suis assez agréablement surpris par la. L'ensemble. Donc on va voir avec notre ami LibreOffice pour terminer. Voilà, donc LibreOffice Fresh. Non mais c'est pas mal comme outil. Donc je vais juste aussi mettre l'emplacement. Voilà. Ouais, du beau temps, mes couilles, oui. Il flotte comme une vache qui pisse. Bref, donc voilà, ben c'est pas si mal que ça. Le bon point, c'est que c'est entièrement en français. Là, chapeau bas. L'installateur est pas mal. Il mériterait peut-être d'être un peu plus parlant par moment. Mais sinon. Pour vous dégrossir l'ensemble, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment bien fait. Après, il faut voir ce qui manque, mais. Et côté mémoire consommée, ouais, bon, on arrive à les 400 mégas, mais c'est normal parce que j'ai lancé Cubes et compagnie aussi. Hein. Cubes. Je vais peut-être trouver par là. Enfin, bref. Non, mais c'est vraiment pas trop mal. Je vous le conseille. Bon, mais. Sur ce, j'étais à la machine virtuelle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !